les carpinous, comment ça se splash? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire un tuto pour vous expliquer et vous apprendre comment faire des recherches d'un Pokémon particulier quand on veut commencer une collection d'un Pokémon particulier dans toutes les langues. Donc voilà, donc moi je vais vous apprendre vraiment quelque chose de vraiment très large. Donc vous allez pouvoir apprendre à rechercher des cartes en français, en anglais, en jap, mais aussi en allemand, en italien, en espagnol, en portugais, en coréen. Voilà, donc dans vraiment divers langues. Donc je vais vous expliquer avec différents sites, différentes méthodes de recherche, comment créer sa propre liste, comment identifier les cartes qui existent. Et tout plein de petites astuces qui vont vraiment vous aider et vous apprendre comment faire ces recherches. Parce que quand on commence une collection comme ça, ben, il n'y a pas d'encyclopédie qui dit qu'est-ce qui existe, tout ça. C'est vraiment très difficile, on est vraiment très perdu. Comment rechercher, comment où acheter, et voilà. Donc vraiment, c'est pour ça que je vais vous expliquer. Donc on va se retrouver tout de suite avec les sites internet pour commencer le tuto. Donc du coup on commence avec Poképédia. Donc pourquoi Poképédia? Parce que avec Poképédia on va rechercher un Pokémon. Donc par exemple Caninos. J'ai très mal écrit, c'est pas grave, Google il nous aide à capter. Donc pourquoi aller sur Poképédia en premier? Parce que Poképédia va nous donner les noms en anglais. Donc on va pouvoir faire un contrôle, un copier-coller. Voilà, un copier. Et qui nous donne aussi le nom en japonais, qui peut être utile. Et des fois, ça nous donne, ça peut nous donner le nom aussi en d'autres langues. Si voilà, voilà. On a français ici, on a anglais, on a allemand et on a japonais. Donc c'est vraiment important. Ça peut, c'est déjà une bonne base de connaître le nom de notre Pokémon dans les langues qui sont, qui existent. Ensuite, une fois qu'on sait les langues, on va pouvoir ensuite aller sur des sites. La plupart des sites sont en anglais. Donc, pas d'inquiétude, avec Google maintenant, il y a vraiment des façons de traduire les sites. C'est pas grave. Si on comprend pas l'anglais, c'est pas du tout quelque chose qui est un frein. Mais c'est important de savoir connaître les noms des Pokémon en diverses langues parce que ça va nous être important pour la suite de la recherche. Donc là, on va commencer ensuite avec le site qui s'appelle Cerebi. Donc vous allez marquer sur Google Cerebi Cardex. Donc avec Cerebi Cardex, vous allez avoir un site qui va nous montrer les Pokémon. Donc on va retourner sur Poképédia parce que sur Poképédia, on a aussi une information importante. C'est le numéro du Pokémon. Le numéro du Pokémon, là, pour celui qu'on a choisi au pif, c'est le numéro 58. Donc on va aller là et on va partir sur le numéro 58. Et forcément on va trouver Growlithe ici, 58. Et là on va avoir en fait, grâce à ça, ok, grâce à ça on va avoir toutes les cartes, toutes les illustrations qui existent de Caninos. Donc on va pouvoir scroller et on va voir, voilà, toutes les illustrations qui existent. Il en existe quand même beaucoup. Donc ça, c'est une base qui est vraiment très très importante pour cette première approche de la recherche. On sait qu'il existe, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, voilà, 23. Il y a 23 cartes avec, enfin, il y a 23 illustrations de cartes. Donc à côté, on va avoir aussi le nom de la série et son numéro. Donc c'est très important, voilà, Jimmy Rose. C'est très très important d'avoir tout ça. Donc ça, c'est pour la première étape, créer sa liste de recherche. Donc pour pouvoir créer sa liste de recherche, il faut d'abord identifier les cartes qui existent grâce à ce site là on va pouvoir avoir une base d'à peu près toutes les cartes qui existent de notre Pokémon favori. Donc voilà, donc jusqu'à notre jour. Donc une Broken Bond, je crois, ça va être sur les séries Soleil et Lune. Voilà, c'est Soleil et Lune. Donc jusqu'à Soleil et Lune, donc c'est à jour. Sur ce site-là, c'est à jour, donc c'est très bien pour commencer cette recherche. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une carte. On va prendre une carte au pif, une jolie illustration, et on va essayer de la trouver dans diverses langues.
Et on va vraiment essayer de la chercher dans tout ce qu'il faut. Donc voilà, Ergol Soulsilver, c'est pas mal, je la trouve jolie. Donc on va partir sur Ergol Soulsilver. Donc on va chercher la carte. Donc là, dans le but du tuto, c'est trouver la carte Ergol Soulsilver dans toutes les langues. Dans un maximum de langues différentes. Et on va pouvoir peut-être les acheter. Donc moi je vais faire semblant de les acheter forcément, mais voilà, ça va être le but de les trouver et d'identifier vraiment toutes les langues et vraiment identifier aussi les illustrations de chaque carte dans chaque langue. Donc ça va être aussi très important, qui va nous permettre aussi d'avoir notre banque de données à nous pour identifier où on en est dans notre collection et petit à petit voilà, créer notre en fait, comme ça n'existe pas vraiment, il va falloir créer notre propre encyclopédie qui va montrer toutes les cartes qui existent dans toutes les langues et dans toutes leurs variantes possibles. C'est ça qui est vraiment là dans cette recherche. Moi, je vais vraiment pousser cette recherche le plus possible. Donc, on va prendre cette carte au hasard. Donc, on va partir sur Bulbapédia. Donc, Bulbapédia, on va copier-coller le nom. Ce qu'on peut faire, c'est directement marquer sur Google Bulbapédia avec le nom de la série. Voilà, Bulbapédia, le nom de la série, et on trouve la checklist normalement des cartes. Non, je me suis trompé, donc on va rajouter pour celle-là card. Voilà, et avec ça, on va voilà, TCG, ça marche. Donc là, on a la checklist de la carte, de où notre carte se trouve, donc la checklist entière. C'est très important parce que en européen et en japonais, les checklists sont différentes et c'est important de vraiment identifier comment la carte existe dans les sections Jap et dans les sections européennes. C'est important. Et un autre truc qui est important que ce site va nous donner, alors ça ne nous le donne pas à 100% à chaque fois, mais ça va nous donner une bonne base. Donc je vais expliquer par rapport aux langues. Donc là, on sait que, voilà, on sait déjà que la carte en japonais, c'est la numéro 13. Donc ça, ce qui ne nous donnait pas, ça nous donne le numéro européen. Donc la 65 sur 123. En japonais, maintenant, on sait que c'est la numéro 13 sur 70. Donc un truc qu'on peut savoir, c'est que par rapport au coréen, quand une série existe aussi en coréen, donc elle est basée sur la série japonaise. Donc ça veut dire qu'en coréen, si Ergol Soulsilver, ça n'existe pas en coréen, mais si ça existait en coréen, ben, ça serait aussi la numéro 13. Et ça serait pas... donc on se repère au niveau des énergies. Tac, non, il est là. Donc ça serait pas la 65. Parce qu'en coréen, ça se base sur les cartes japonaises. Vous voyez bien, les checklists ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est important d'identifier. Donc, c'est important aussi d'identifier parce que dans cette série-là, il y a L1 rouge et il y a L1 bleu. Parce qu'il existe la série Soulsilver et la série Ergold. Voilà, c'est classé différemment. Alors qu'en européen, c'est mélangé, on a les deux ensemble. Donc voilà. Et donc du coup forcément le Growlithe il n'était pas disponible dans la version bleue, il est disponible dans la version rouge. Donc voilà, c'est important. C'est pour ça que identifier ces séries peuvent être vachement important. Après, ce qui est important sur ce site quand on arrive plus bas, c'est qu'il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent il y a écrit in other language. Donc on peut faire une traduction avec le site qui va nous dire voilà, dans d'autres langues, vous avez pu comprendre. Donc, ce que nous dit le site, c'est qu'elle existe en français, en allemand, en italien, en portugais, en russe. Alors, le russe, j'en ai jamais trouvé, donc je sais pas si c'est vrai. Mais ça existe aussi en espagnol. Donc, il y a d'autres langues aussi qui existent, qui sont pas répertoriées là. Donc, avec le japonais, bien sûr. On vérifiera au fur et à mesure dans notre recherche. Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est préparer un fichier texte qu'on peut mettre de côté. Voilà, on prépare notre fichier texte à nous et on marque nos informations. Donc voilà, on a notre petit bloc-notes et avec ça, on va pouvoir marquer les infos. Donc, on va retourner au début. Donc, on va retourner, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est
On va faire ça. On veut le Growlithe de la série Heartgold Soulseaver. Voilà. On peut mettre à côté parce qu'on a découvert qu'elle était en japonais dans la série qui s'appelle. Voilà, on a le nom de la série japonaise qui est écrit. C'est important aussi d'avoir de savoir les noms des séries japonaises. Donc là, on a les dates de sortie. Voilà. Et je cherche le nom. Il est là, les gens. C'est soit c'est ça. De toute façon, ouais, parce que j'ai fait le site en français, c'est pour ça. Voilà. Heartgold Collection, ouais, bon, je crois que c'est Heartgold Collection, mais en fait, elle s'appelle 1, c'est Légende 1 en fait. Ouais. Bon, bref, donc, donc ensuite, on a le numéro de la série, donc ce qu'on va faire plutôt, voilà. Ce qu'on va faire, c'est mettre le numéro de la série en européen à côté, et ce qu'on a trouvé ensuite, le numéro à côté. Voilà. Donc on va marquer L1 rouge parce qu'on a vu que c'était rouge, et c'est un numéro. Même présentation. Voilà. Ensuite, donc là on a nos infos. Ensuite, on va passer aux langues. Donc les langues. Alors, dans les langues, on nous dit qu'il y a le Jap. Ça, on le sait. Il y a l'anglais. Ensuite, il y a le français. Et en bas, on a nos petites infos en plus qui nous dit qu'il y a l'allemand. Je crois que je l'écris bien, j'espère. L'italien. J'ai même pas de majuscule, ça c'est pas grave. Donc le brésilien. Alors quand c'est marqué brésilien, en fait c'est portugais. Hein. Il y a marqué qu'il y a russe. Alors ça, j'y crois pas trop. Et espagnol. Espagnol, j'ai sûrement fait une faute, c'est pas grave. Donc là, on a déjà une bonne partie des infos. Maintenant, on va essayer de compléter tout ça avec un autre site. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le nom en russe. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est partir sur une autre étape. Donc, l'étape d'après, c'est la recherche d'images. Donc, la recherche d'images, on va aller sur Google. Voilà, on va aller sur Google, on va taper les noms des séries et on va chercher. Donc là, attends, je vais aller dans images. Et on va essayer de trouver s'il n'y a pas des cartes en russe. Alors, le problème avec le russe, c'est qu'il faut comprendre. On va retirer tout ce qui est pas en russe. Et on va écrire Pokémon Card en anglais. Et est-ce que on trouve des boosters? Est-ce qu'on trouve des illustrations de choses russes? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Alors, est-ce que on peut écrire juste carte? Non, on trouvera rien. Bon, pour le russe, c'est compliqué, donc on va pas s'y attarder tout de suite. Mais ce qu'on va faire, c'est partir du coup sur chercher dans les différentes langues notre Growlithe en image. Donc, on va déjà le chercher en Jap. Donc ce qu'on va faire, c'est marquer tout simplement notre information qu'on a mis.
Donc on a la numéro ici. Donc on peut, on a le nom. On a le nom. Donc là, hop, on met le numéro. C'est, on met le nom. Et on a notre carte. Donc on voit tout de suite que notre carte, elle existe en reverse. Donc voilà, reverse. Donc on va trouver une belle image. Voilà, là on a une belle image. Donc là, elle existe en reverse édition 1. Donc ça, c'est important. C'est important d'identifier toutes les petites éditions qui existent pour notre Pokémon. Donc attends, je vais faire un petit truc. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la carte, on va faire enregistrer l'image sous et on va la mettre dans notre dossier que j'ai nommé Growlithe. Voilà. Et on va mettre nos images là-dedans. Donc là, on l'a trouvé en reverse. Donc à savoir, je vous le dis, mais c'est beaucoup de recherche. Mais pour L1, il n'y a que édition 1. Édition 2, ça n'existe pas. Sans le logo édition 1, ça n'existe pas. Pour L2, L3, L4, je crois que les deux existent. Mais pour ça, la meilleure façon, c'est de chercher en regardant un maximum d'images, un maximum de Pokémon différents de la même série. C'est-à-dire de regarder pas que le Pokémon qu'on cherche, mais d'autres Pokémon. Et vraiment de rechercher vraiment. Voir carrément marquer directement légende 1 card Pokémon. Et de chercher vraiment japonaise, vraiment chercher avec des noms. Par exemple plutôt L1. L1, ça, en général, on trouve mieux. Voilà, L1, on trouve. Et donc là, on check. Voilà, édition 1, édition 1, édition 1, édition 1. Et on voit qu'elles sont toutes édition 1. Et on ne va jamais tomber sur des éditions 2. Donc, par exemple, si on change et qu'on marque L2. Là, on va voir qu'il y a des différences. On va chercher, donc, édition 1, édition 1. Et au bout de. Et avec un peu de chance, voilà, celle-ci, on voit pas très bien, mais il n'y a pas de édition 1. Il existe, voilà, celle-ci aussi. Voilà, il existe des cartes qui sont pas en édition 1 de la série L2. Voilà. Et celle-là est en édition 1 aussi. Et vraiment chercher en regardant un maximum de cartes différentes pour voir s'il y a le logo ou pas. Et quand on trouve que des cartes avec le logo, on peut être sûr et certain que les cartes existent en édition 1. Voilà. Là, clairement, celle-ci, si on l'ouvre dans un... Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, non. Un nouvel onglet, plutôt. Voilà. Pour mieux voir, est-ce que ça charge? Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà, là on peut zoomer. La carte est floue, mais on voit bien qu'il n'y a pas le logo édition 1. Donc ça veut dire que il existe bien pour L2 des cartes en édition 1 et en édition 2. Voilà, mais nous ce qui nous intéresse, ça va être L1. Et ce qui va nous intéresser, c'est Growlithe. Donc du coup, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est remettre plutôt le numéro. Le numéro en général, ça marche vraiment mieux. Et voilà. Et du coup, on trouve notre carte. Donc non, là, on a la carte en non-reverse. Donc pareil, on va la prendre. Donc on va enregistrer l'image sous dans notre dossier. Il va nous servir de liste. Ensuite, on va partir sur la version européenne. Donc on va mettre le numéro en européen. Et on va voir que là, on l'a en anglais. Donc là, on l'a trouvé en anglais. Enregistrer l'image chou, très bien. On peut nommer la carte aussi, hein. ça permet aussi de se retrouver. Voilà, là on l'a trouvé en reverse. Donc on l'a en français, enfin on l'a en anglais et en jap. Ensuite on va la chercher en français. Donc en français, et ben forcément on va pas mettre Growlithe. Donc on va repartir sur, on sait l'écrire en français. On va repartir sur notre site pour avoir les autres langues, et on va faire comme ça, et là on va la trouver en français. Voilà, donc hop, enregistrer l'image chou.
On va la chercher aussi en reverse. Donc on peut rajouter par exemple reverse. Ça aide des fois à trouver. Donc là on a trouvé une image. On va essayer de trouver une plus jolie. Bon, elle est un peu moche celle-ci. Voilà, pas bien non plus. Bon, là on en a une bien. Caninos en français. On voit bien qu'elle est reverse. Ça prouve qu'elle existe. Donc on l'enregistre. Et voilà. Donc là on est déjà rendu à 3 langues. On est donc à 3 langues de compléter. Ensuite, on va faire pareil. Donc on va retourner sur Wikipédia. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a d'autres noms dans d'autres langues. Donc là on va avoir Fukano qui va être le nom allemand. Donc on n'a pas beaucoup de noms par rapport à ce qu'on nous a montré. Et on va comprendre pourquoi après. Donc on va retourner sur notre recherche d'image et on va mettre en allemand. Et normalement, en allemand, on va trouver tout de suite la même chose. Donc ça, c'est vraiment les choses les plus faciles à trouver. Donc là, on a en allemand, on a trouvé en reverse. Il n'y a pas une meilleure reverse. En plus, c'est en anglais. Donc on va pareil, non, enlever ça pour avoir vraiment toutes les... Voilà, là on l'a en reverse. Enregistrer l'image. Et voilà. Donc là déjà, on a un bon début. Et maintenant, on va falloir trouver en italien, en espagnol, en portugais. Voilà, tout ça. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc pour trouver ces langues-là, déjà, il faut mettre le nom en anglais. Parce que ces langues-là n'ont pas de traduction du Pokémon, puisqu'on ne l'a pas trouvé sur Wikipédia. Donc s'il n'y a pas le nom dans les langues là, c'est que par défaut c'est en anglais. Voilà. S'il n'y a pas, c'est que par défaut c'est en anglais. Donc à ce moment là il va falloir mettre Growlithe comme ça. Ensuite on peut prendre et chercher avec les noms. Donc par exemple on va essayer de voir s'il n'y a pas Russian. Voilà. On va marquer Russian à côté. Et on va voir si on tombe sur des cartes. Donc forcément, on trouve rien. Voilà, comme j'ai dit, en russe, franchement, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas que ça existe en russe pour cette série-là. Je pense qu'il y a une erreur sur le site parce que chaque fois, on trouve rien du tout. Donc on va quand même essayer plus tard de chercher avec d'autres méthodes. Donc pour l'instant, c'est la méthode Google Images. Mais il y a d'autres méthodes qui vont nous permettre de trouver quand on ne trouve pas des images. Donc ensuite... On va changer, on va partir sur portugaise. Voilà, on va mettre portugaise, machin, en anglais. Donc toujours mettre les noms en anglais. Hein. C'est parce qu'en anglais, on a beaucoup plus on trouve beaucoup plus de choses que en français. Donc nous, la carte qu'on cherche, ça va être celle-ci. Et forcément, vous voyez, on trouve rien. On trouve pas. Alors, je check le nom. Hein. Là, on voit que c'est écrit en français Caninos, donc c'est pas bon. Faut trouver le nom en anglais. Et il n'y a pas. Donc il n'y a pas. Donc on trouve rien. Et dans ce cas-là, c'est là que ça se complique. Comment trouver en portugais, comment trouver dans d'autres langues? Et bien, c'est là qu'on va aller sur Bulbapédia et qu'on va chercher sur Bulbapédia. Les cartes dans d'autres langues. Donc je pense que si on clique là-dessus, peut-être qu'on peut trouver, je suis pas sûr de ça, au niveau des cartes. Bref, donc du coup on va repartir sur Google directement et on va écrire portugaise TCG. Et là, on va aller sur Bulbapédia, sur le lien que ça va nous donner. Alors, sur Bulbapédia, on va chercher. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est Ergol sur Silver. Donc, là, on va avoir des données importantes. C'est-à-dire que on va avoir. Donc, on peut traduire si on ne comprend pas, mais pour l'instant, c'est pas grave de pas tout comprendre. Le texte, donc ce qu'on veut déjà, c'est identifier ce qui existe en portugais. Donc ce qui existe en portugais, on voit qu'il existe des decks. Déjà, on a des images des decks. Donc ça, c'est des decks portugais de
avec les noms en portugais. Et ça, c'est important. Ah oui, c'est quelque chose qu'on a oublié de faire avant. C'est quelque chose qu'on a oublié de faire avant. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. On va retourner sur Bubapédia. Et on va remettre, ça. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est aussi de savoir les decks. Les decks à thème. Et voilà, decks à thème, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de, vous dire. Faut vérifier en fait certaines choses. Donc, pour Gold Silver, c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai pas pensé. Mais pour certaines autres séries, c'est important. Donc là, on voit qu'il y a le logo de feu. C'est-à-dire que peut-être, que notre Growlithe se trouve, effectivement, se trouve dans le deck. Donc il est possible de trouver Growlithe dans le deck de Typhlosion. Donc quand on sait, cette information, qu'on peut le trouver dans le deck de Typhlosion, c'est-à-dire que on sait. Il est où mon gars? Il est là. On va aller mettre ça. On sait que dans ce deck-là, en portugais, il existe Growlithe. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que si on trouve. Là, si on cherche. Si on cherche sur Google. Ce deck. Et qu'on le trouve. Donc, il va falloir marquer Pokémon. Sinon, ça ne va pas nous trouver. Et qu'on trouve ce deck. Par exemple sur eBay ou sur un autre site, sur des sites de revente, voilà, si on le trouve déjà en image, voilà, là il y en a une. Si on le trouve, voilà, là c'est un shop, par exemple, et ben on sait que par exemple là, voilà, là est marqué 25. Donc je sais pas si on peut commander sur ce site là, si c'est un site fiable ou pas, ça je peux pas vous le dire. Mais on sait que déjà il est trouvable. Ça veut dire que si on l'achète, ben, on a forcément le Growlithe en portugais. Voilà. Ça c'est déjà un bon point. Ensuite, un deuxième point, pour certaines séries, dans les decks, les cartes sont pas pareilles. Par exemple, au niveau des, rares, elles ont un holographisme différent. Enfin, les holos qu'on appelle les holo decks, ont un holographisme différent, un holographisme souvent prisme. Et du coup, c'est important de savoir si elle existe aussi dans un deck, pour savoir si elle a une différence liée à ce deck. Par exemple, un exemple tout simple, Magikarp dans la série. Dans la Magikarp de Gold Soul Silver, elle existe aussi dans un deck à thème, qui s'appelle le, kit du dresseur. Et dans ce kit du dresseur, le numéro de la série et le logo de la, de la carte, enfin le logo de la carte et le numéro de la carte ne sont pas les mêmes que celle dans les boosters. Donc du coup ça crée une différence, donc pour avoir toutes les variantes ça rajoute une carte en plus, voilà. Donc c'est important d'identifier les decks pour savoir si la carte existe dans les decks ou pas. Donc on retourne là dessus donc on est sur du portugais. Donc ce qui est important, c'est qu'ensuite on a ce passage de là qui nous dit que le deck. Donc ça va nous donner le nom du deck et là on va pas avoir beaucoup d'informations, c'est un peu compliqué. C'est que le nom du deck elle est le même. C'est le même. Le nom de la série, c'est le même. C'est une carte sous silver. Donc du coup c'est pas vraiment une aide pour trouver par rapport à cette série là. Et pour d'autres séries c'est vraiment important. Je vais vous donner un autre exemple avec, avec du diamant et perle. Sur les diamants et perles, voilà, diamants et perles, donc le nom de la série, ça va être Maravillas, je prononce très très mal, Cercretas, voilà, booster. Et donc là, en fait, par exemple, pour cette série-là, l'exemple, c'est que c'est très concret, c'est qu'on fait juste CTRL-C, voilà, on copie, voilà, vraiment on copie, on va sur YouTube, on tape YouTube et le nom de la série à côté. Et là, on va trouver des vidéos de personnes qui font des unboxings. Et là, on va checker, en fait, si ils tirent la carte. On va regarder la vidéo et on va regarder s'ils tirent la carte. Et s'ils tirent la carte que l'on veut, voilà, imaginons qu'on cherche Voltorb. Oh mon Dieu, on a une image de Voltorb en portugais. Et donc là, on valide une image qu'on n'avait pas trouvée sur Google, mais qu'on retrouve grâce à YouTube. Donc ça, c'est un autre outil que je voulais en venir, voilà.
Un autre outil, comment trouver grâce à YouTube des illustrations qu'on ne trouve pas sur Google Images. Et ça marche vraiment bien. Donc pour notre Growlithe dans cette série, donc on va essayer de trouver du coup en portugais. Donc bah là ça va être plus compliqué parce que c'est le même nom. Non, je me perds dans mes liens. Donc ça va être le même nom. Donc on va faire pareil. Hop, on va marquer pareil. Sauf qu'à côté, cette fois, on va rajouter portugais. Et on va croiser les doigts. Et ensuite, faut chercher. Donc ça c'est compliqué. Faut chercher sur YouTube directement. Si on trouve du portugais. Et en général, on va trouver que de l'anglais. Donc là, parce que comme le nom de la série, c'est le même que celui de la carte. Enfin, en anglais, qu'en italien, qu'en portugais. Bah, ça va être compliqué. Donc, on prend une vidéo pif. Et on check. Donc là, Marc, tiens, là, je vois. Là en fait je pense qu'on a trouvé. Là je pense qu'on a trouvé parce que c'est écrit. Donc on va mettre pause, on va mettre en plus grand. Donc c'est écrit Juego des cartas collectionnables. Donc là on a une display. On sait à quoi ça ressemble. Donc si on partait sur ça, donc c'était, je pense pas que c'est du portugais. Mais si on part là-dessus et qu'on regarde en fait sur l'illustration, je sais pas si on peut l'avoir en plus gros. Ouais, non, on voit que c'est pas écrit de la même manière. Donc là, je pense que c'est pas du portugais qu'on a là. Ça doit être de l'italien ou de l'espagnol. C'est pas grave. Donc c'est pareil. On va regarder la vidéo. Donc on peut regarder petit à petit dans la barre de défilement si on veut vraiment aller plus vite. On va essayer de voir s'il trouve un Growlithe ou pas. Alors, on voit qu'il a trouvé un Magikarp. Donc là, par exemple, là, j'ai une illustration, une belle, en plus l'image est bien, elle est nette. Là, on a quoi? Là, on a un beau fenard. Ça serait bien de trouver un Growlithe. J'ai pas envie de me taper toute la vidéo. J'aurais dû regarder avant. Bon, on va faire une coupure. Je vais regarder la vidéo, on va faire une petite coupure pour trouver la carte. Donc du coup j'ai fini par trouver, en fait c'était pas long. Donc voilà, hop, on va revenir en arrière. Et on va mettre pause au bon moment. Et voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est imprimer écran. On va attendre que l'échappée s'en va. On prend une imprime écran. Donc là on a trouvé la carte en normal. Alors on peut regarder la vidéo, on peut continuer à regarder pour voir s'il la pioche en reverse. On peut chercher sur d'autres vidéos encore pour tomber sur quelqu'un qui la trouve en reverse. Donc là on va juste vérifier quelque chose. Je pense que c'est trop flou pour voir, mais à mon avis c'est écrit résiste. Non, c'est Restancia. Donc ça c'est de l'italien. De l'espagnol, voilà. Donc là on l'a trouvé en espagnol. Donc ce que je vais faire, c'est vite fait aller sur Paint. Donc je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait comment je fais sur Paint. Donc sur Paint, c'est simple. On fait CTRL V après avoir fait imprime écran. Ah là, j'ai. Mince, il y a le. J'ai pas attendu assez longtemps. Donc là, on fait imprime écran. Vous appuyez sur la touche imprime écran. C'est bon là. Donc hop, voilà. Là on appuie. On va dézoomer. On va prendre ce petit truc, voilà, pour faire des petits cadres. On va cadrer la carte le mieux qu'on peut. Voilà, c'est pas très grave si ça dépasse, on s'en fout. Donc si vous êtes sur téléphone, vous pouvez faire tout simplement un screen et puis garder l'image complète, hein, c'est pas grave. Mais bon, moi j'aime bien faire les trucs propres. Donc du coup, on peut faire un CTRL-C. Donc là, j'ai fait un CTRL-C, donc un copier, voilà, un copier. Après, on fait CTRL-Z, donc Z encore, pour vraiment tout enlever. Ensuite, on va faire CTRL-V, donc c'est coller, hein. Et là, on a notre carte. Donc ensuite, on va juste réduire et on a notre belle image de notre carte
qu'on n'avait pas trouvé sur Google. Voilà, grâce à ça, on l'a trouvé grâce à YouTube. Donc là, on va pouvoir la sauvegarder et la mettre dans notre dossier Growlithe qu'on va mettre, on va la nommer Espagnol. J'ai mal écrit sûrement, c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez compris, on va pas faire, on va pas non plus chercher tout. Mais vous avez compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc une fois qu'on a vraiment identifié, grâce à YouTube, grâce à nos recherches là-dessus, donc on peut faire pareil. Hein. Là j'ai marqué portugaise, mais on peut essayer de voir si ça existe aussi en russe. Et on peut vous checker, donc voilà, Russia, Bubapedia Russia. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était Russia TCG. On n'a pas ça, Russia TCG. Ah, il y a peut-être pas pour tout. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder là-dessus. Pokémon Trading Card, voilà. Donc là-dessus, on a des informations. Donc là, par exemple, ça, c'est important de le traduire avec Google. Voilà. Et on va pouvoir lire. Donc tout simplement, ça va pouvoir nous dire ce qui existe en portugais là-dessus. Donc voilà, donc le jeu de cartes collectionné Pokémon est revenu, était distribué en 2012. Il existe du XY, donc le 2014, qui était collectionné, tac. Donc on sait que il y a les noms, traduit les noms, voilà, ils nous ont mis des noms. Donc là on peut, avec ça on va pouvoir faire des recherches sur YouTube. L'extension Team Siege est la dernière extension traduite, donc on sait que ça s'arrête au cas Team Siege. Toutes les extensions de Sunny Moon jusqu'à Forbidden, voilà, non traduite. Donc ça veut dire que tout ce qui est Soleil et Lune, ça existe pas en russe. Et donc voilà, là on a vraiment des informations importantes qui vont pouvoir savoir vraiment si ça existe ou pas. Et on a des noms en russe, donc ça c'est important. Pokémon et la grammaire, voilà. Des marchandises, on a plein d'informations qui nous dit ce qui existe en russe et pas en russe par rapport aux cartes et d'autres choses. Voilà. Donc c'est important. Bulbapedia, c'est un site qui est vraiment très très important pour la recherche. Ça va vraiment nous aider à vraiment identifier un maximum de choses autres. Quand on ne trouve pas sur Google Images, Bulbapedia, on fait des recherches comme ça par rapport à la langue, qu'est-ce qui existe. On trouve des noms avec les noms, les jeux de cartes. Avec les noms, voilà, on peut taper ça sur Google Images ensuite. Donc ça va être le jeu, voilà, TCG, mais on peut trouver aussi des cartes. Voilà, par exemple là, j'ai trouvé une image d'une carte en russe. Donc ça prouve que ça existe en russe. On trouve pas forcément des images tout le temps, donc c'est assez compliqué. Je pense que si je mets plutôt le nom d'un Pokémon, par exemple Magikarp, je sais que ça existe en russe, donc j'ai écrit en anglais. Et on cherche si on trouve, voilà. Donc là on trouve pas. Donc faut remarquer autrement. Je pense que là, ça veut dire Pokémon, donc je pense qu'il va falloir rajouter card. Et peut-être qu'on peut trouver du russe, mais c'est compliqué. Voilà. Si on trouve pas, ben le mieux, c'est d'aller sur YouTube et de taper les noms des séries, en russe. Voilà, cherchez, trouvez. Avec ce site, vous pouvez trouver le nom des séries qui existent en russe. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aller sur YouTube comme j'ai fait tantôt. Voilà. Donc la dernière étape, vraiment, ça va être l'achat. Donc on va aller sur Card Market. Donc Card Market, c'est un site qui est vraiment vraiment utile, que je vous conseille pour chercher vos cartes, vos Pokémon. Donc là voilà, on va reprendre le nom, donc en anglais toujours, et on va mettre Growlithe. Voilà. Tout simplement, on va mettre All, et là on va avoir toutes les séries qui existe Growlithe. Et là franchement c'est le site qui va vous aider énormément à trouver des cartes. Donc par contre
L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'image. On n'a pas forcément d'image. Par contre, vous pouvez envoyer un message privé au vendeur et demander des photos de la carte. Donc ensuite, bah, vous aurez forcément une image de la carte. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, ça va être Ergo True Saver. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc là, on a une image, mais en anglais. Mais on n'aura pas forcément d'image de la carte. Sauf des fois, des vendeurs qui rajoutent une image de la carte. Donc là, on va pouvoir défiler. On va pouvoir défiler et on va pouvoir trouver en fait des choses importantes. Déjà, on a les prix, des prix qui sont vraiment pas chers du tout. Et par exemple, ici, on a en japonais. Voilà. On a aussi tout en bas, en général, tout en bas, ça va être les reverse, parce que les reverse, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est plus cher que la normale, qu'une carte normale. Donc, souvent, elles sont tout en bas. Donc, on voit qu'il existe en italien reverse. Donc, là, on peut valider, on peut le mettre par exemple sur un fichier texte. Donc, italien, on peut dire, voilà, une étoile pour dire que ça existe en reverse. On peut voir que allemand, ça existe en reverse aussi. Donc, on est sûr. On sait que anglais et français, ça existe aussi en reverse. Le japonais, on l'a vu que ça existait en reverse. Le portugais, bah on sait pas trop parce que ben bah, oui parce que j'ai vu une ouverture, j'ai vu qu'il existait des reverse dans l'ouverture. J'ai pas cherché, j'ai pas poussé la recherche là, mais si je poussais, je pense que je la trouverais. Donc voilà, on sait que ça existe ça. Russe, on peut l'enlever le russe parce que je pense que ça n'existe pas le russe. Et espagnol. Donc là, on va checker, on va voir. Espagnol, hop, reverse. Donc voilà. Donc, on peut considérer que toutes ces cartes existent en reverse. Donc ensuite, comment ça se passe sur le site? Sur le site, voilà, bah vous mettez dans votre panier. Donc par exemple, mettez dans le panier. Voilà. Hop, vous avez le prix en haut qui s'affiche. Voilà. Nous, on le veut en allemand. Allez, en allemand, on n'a pas. Allez, on va changer. Le truc, bon, ce que je fais là, c'est pas bon, hein. Et on va dire qu'on fait comme ça. Voilà. On veut en anglais, on veut en espagnol, en français, on l'a mis. Voilà. On veut en italien normal. Bon, voilà. Vous avez compris, le prix s'affiche. On va voir chaque prix avec les frais de port. Donc le problème, c'est les frais de port. Donc là, vous voyez, 2 euros pour 4 centimes, ça fait cher. Donc lui, on va l'enlever. Ensuite, on a quoi? On a 3 centimes et on a 1,45 €. On va l'enlever aussi. Voilà, à chaque fois, on a beaucoup plus cher. Et comment on va faire pour rentabiliser nos achats? Eh bien, c'est comme ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va recharger la page. Voilà, on aura les cartes. On va prendre un vendeur. On va checker un vendeur étranger. Le français, c'est évité parce que le français, c'est du français. Les gens qui vendent du français, en général, vendent du français. Or, les gens qui vendent de l'étranger vendent souvent différentes langues en étranger. Là, par exemple, on voit lui, il existe en anglais et en espagnol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir son lien dans une autre page. Donc, le panier, là, on va le vider. Voilà. On va regarder dans ses cartes et on va noter le nom du Pokémon dans la recherche. Et on va voir, bon, là, pas de chance, il avait que ça. Donc du coup, c'est pas un bon lot. Ça va nous faire 4 centimes pour 2 euros là. Donc c'est pas intéressant. Donc du coup, on va partir. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est prendre vraiment ce qui est pas cher. Donc lui, par exemple. Et regarder qu'est-ce qu'il a. Donc là, 79, c'est pas bon. 79, c'est pas bon du tout. Voilà, il va en avoir qu'une. Donc on va pas le faire. Donc on va chercher un autre. Donc au plus, ils ont de meilleurs. Voilà, on peut voir. Vente article disponible. Donc lui il a beaucoup, mais la carte elle n'est pas dans un très bon état. On va chercher un autre vendeur qui a du très bon état. Ouais, par exemple lui, on va regarder, il a marqué article 121, c'est pas assez. On va regarder celui-là. Lui il a 8000, 8000, lui il a 8000. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qu'il a. Voilà. 9000, ouais, il a 9800, on a presque 10 000 cartes. Donc on va marquer et coup de chance, on a de la quantité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que maintenant, on a notre carte dans différentes. Alors il a une reverse. Voilà, il a une reverse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi d'autres cartes
Voilà, on voit qu'il a d'autres cartes. D'autres cartes. D'ailleurs, là, vous pouvez noter kit. Celle-ci fait partie des kits de dresseurs. Donc là, déjà, on a appris que cette carte-là, elle existait aussi avec le logo. Donc on le voit, le logo en bas. C'est le logo Posipi ou Négapi. Bleu, je sais plus. Négapi, je crois, le bleu. Enfin, dans le kit du dresseur Posipi Négapi, donc qui englobe les deux. Donc on sait que cette carte, elle existe dans cette série-là. D'ailleurs, si on check cette série-là, Posipi Négapi, elle existe aussi en chinois. Voilà, donc ça, c'est une carte qui est particulière. Elle existe aussi en chinois. Ça veut dire que ce gros 10-là existe en chinois si on achète le deck. Si on achète le deck, normalement, il est dedans. Donc on l'aura en chinois, forcément. Avec le logo. Force, avec le logo. Voilà. Donc du coup, on voit que le numéro c'est 4. Normalement, je crois qu'elles ont un seul numéro. Donc là, il faut checker. Donc, kit de dresseur, il va falloir checker directement sur Bulbapédia. Donc, on va refaire un petit tuto encore une fois pour vous expliquer. Bulbapédia, on va marquer kit du dresseur. Bon, normalement, il faut l'écrire en anglais. C'est pas grave, là on est sur Poképédia. Sur Poképédia, voilà, on a le nom, voilà, X-Trainer Kit. On va pouvoir recommencer avec le nom anglais. Et là on a les X-Trainer Kit. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est le X-Trainer Kit qui correspond à Posipi et Négapi. Donc là, on va devoir faire une recherche un peu plus poussée. Voilà, ça va être. On va tourner les pages. On va tourner les pages. Et là, on l'a trouvé. On l'a trouvé, c'est lui. Donc, il est. On a une image. Elle charge. Donc, Posipi Négapi. Voilà. Donc, dans le deck Posipi Négapi, on va checker. Donc, celui le bleu, on trouve Growlithe. Growlithe, c'est la numéro 4. Et là, on sait qu'elle existe dans le deck bleu. Je sais plus, c'est quel. C'est Menium. Menium, c'est Négapi. Donc dans le deck Négapi, on sait qu'il y a Growlithe, c'est la 4. Et donc du coup, en faisant des recherches poussées, on va pouvoir. Moi je vous le dis, parce que je sais, je connais un peu, mais en faisant des recherches poussées, on va pouvoir voir que ça existe aussi en chinois. Voilà, ça existe en chinois. Et là, par exemple, il n'y a pas les langues. Voilà, là, c'est pas écrit toutes les langues, mais du coup, ça existe en chinois et ça existe forcément. En anglais, alors ça va pas exister en jap, mais ça va exister en anglais, en français, en allemand, peut-être en italien, en chinois, je vous l'assure. Voilà, donc faut chercher. On était sûr. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va faire semblant d'acheter. Donc on va regarder les cartes qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéressait, c'était celle-ci, mais on va aussi en profiter pour commencer à faire les autres. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur état possible. Donc là, en anglais, alors, celle-ci, rupture turbo, il n'y en a qu'une. Voilà, bon, c'est pas très bien. 2 centimes, ouais, pour 2 centimes, c'est pas cher. Ensuite, en italien, là, il y a un meilleur état en italien. Après, en anglais, on rajoute. Ensuite, il y a celle-ci en allemand. Là, en italien, il y en a 4. On va prendre celle qui est le mieux, voilà, par rapport au prix. On va pour 5 centimes, hein, on va pas être embêtant. Là, pareil, on a vu qu'il n'y avait que de l'anglais. On va prendre le meilleur état. Ici, on a de l'anglais. Là, on a de l'italien. On a le trainer kit en italien. Voilà, le truc, c'est qu'après, on peut faire comme ça. Hein. Là, on sait ça. On fait ça. Et on va checker. Et là, on va checker. On sait que ça existe en italien, en allemand, en anglais, en français. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vente chinoise sur ce site que ça n'existe pas. Mais alors, déjà, on a une base. On a une bonne base. On sait que ça existe parce que c'est en vente. C'est ça qui est important. Et après, on va voir qu'il y a un autre moyen d'avoir aussi des images. Donc, on était sur le kit du dresseur. En italien, je sais pas si je l'ai mis. Là, on a quoi? Du set de base en italien. Bon, ils sont pas très bon état, mais c'est pas grave.
Au pire, on n'est pas obligé hein, de prendre un, vraiment, si on sait qu'on va trouver dans un autre lot, on prend dans un autre lot. Hein. Mais bon, pour les prix là, pour faire une simulation, ça va être suffisant. Donc, on va prendre celle-ci aussi. Là, en italien, bah, elle est en meilleur état. On va faire un changement. Et là, on reverse. Voilà, on va prendre ça. Donc là, on va retourner là-dessus. On va voir que j'ai mis pas mal de cartes. Donc, les trainer kits, j'en ai mis 3. D'ailleurs, j'en ai mis trop. J'ai mis 3 fois la trainer kit. Donc, on va retirer ceux qui sont en trou. On va garder la meilleure état. Donc là, on peut checker qu'on a bien tout mis. Qu'on n'a pas de double. Ici, on a une double. J'ai mis 2 fois. Ok. Là, j'ai italien, italien. Mais là aussi. Donc là aussi, c'est mis en trou. Trop vite. Voilà. On check si on n'a pas de double au niveau des langues. Et si c'est tout correct. Là, c'est correct. On check le prix. Donc là, on a pour 34 centimes de cartes. Ça nous a coûté 3,80 €. Donc en tout, 4 € pour 10 articles, 10 cartes. Ce qui est correct. Moi, je trouve que c'est correct. C'est peut-être un peu cher parce que c'est les frais de port. Mais on a un lot. On a un lot de 10 cartes. Et ça, c'est vraiment bon. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder avec Card Market. Chercher des lots. Donc là, par exemple, on a vu notre lot. Donc on sait que ce vendeur, il a ce qu'il nous faut. Mais on peut aussi, quand on débute, ne pas s'attarder tout de suite sur le premier lot, mais d'aller chercher encore d'autres pour trouver quelqu'un qui aurait encore plus et dans un meilleur état et avec des prix approximatifs et vraiment prendre le lot le plus gros possible pour commencer et qui va nous donner vraiment une bonne base pour démarrer notre collection avec vraiment toutes les cartes les plus importantes pour démarrer. Donc ensuite, on va terminer avec une dernière chose. Une dernière chose. Donc on va aller sur eBay, tout simplement. Et sur eBay, donc faut chercher, on va mettre eBay en anglais, je pense que c'est mieux. On va retourner avec Krolitz. On va marquer card, c'est mieux. Et alors on cherche sur eBay français ou eBay anglais, mais c'est surtout, en fait, c'est pas pour forcément acheter, c'est pour avoir des illustrations. Vous voyez, ça nous donne des illustrations. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple tout à l'heure on cherchait pour Appel des légendes, pour légende. Pour Ergol Soulseizer. Donc pareil, on met numéro et là on va trouver des cartes. On va avoir des prix. Les prix là-dessus sont. Franchement, Card Market c'est moins cher. Card Market c'est beaucoup moins cher au niveau quantité. On peut créer des lots personnalisés et au niveau des frais de port c'est plutôt moins cher parce que ben. Enfin, des fois c'est correct, mais des fois c'est n'importe quoi. Genre là, 9 € de frais de port pour une carte, alors que la carte tu la trouves pour 3, 5 centimes sur le site. Voilà, sur le site, hein. On est bien sur celle-là. Hein. On cherche en anglais, voilà, en anglais 2 centimes. Voilà. 2 centimes en anglais, donc avec les frais de port, rien que si je prends celle-là avec les frais de port juste toute seule, on en a pour 2 euros. 2 euros toute seule, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Enfin, comparé à eBay. Comparé à Car Market, c'est cher. Mais comparé à eBay, c'est pas cher du tout. Là, sur eBay, on en a pour 10,90 € par exemple. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir faire des recherches en rajoutant des langues. En essayant de chercher comment on écrit déjà en anglais? On va chercher. On va chercher si on trouve des lots, des cartes, et voir si on trouve des images. Et là, on voit qu'il y a marqué Growlithe et ça écrit PV. Donc là, tout de suite, on sait que c'est pas une carte en français, c'est une carte dans une autre langue. On peut ouvrir l'image dans notre anglais, voilà. Comme ça, on va pouvoir zoomer et on va pouvoir voir que c'est écrit. Bon, c'est très flou, mais moi je le sais, c'est écrit Resistenza. Il y a un Z. Ça se voit la taille, ça se voit comment c'est écrit. Ça se voit que
c'est pas de l'anglais parce que c'est écrit PV au lieu d'HP. Et que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en italien, c'est résistanza avec un Z, donc c'est du coup le mot est court. En espagnol, c'est écrit resistencia, qui finit par CIA. Et en portugais, c'est écrit resistencia. Enfin, non. Ouais, c'est pareil, mais c'est écrit la même chose, mais avec un accent sur le E, le petit accent. Donc le mot est plus long et il y a un petit accent. C'est comme ça qu'on les différencie. Donc là, je sais différencier, c'est un Z, forcément. Parce que des fois, on peut zoomer, là, on peut pas. Donc là, c'est d'italien. On sait pas forcément écrit. Voilà, c'est écrit là, italien. Ouais, je me suis pas trompé, c'est bien d'Italie. Donc les frais de port, c'est cher, mais on s'en fout parce que du coup, là, on a une image de la carte en italien. Et donc ça, on va pouvoir la rajouter dans notre banque de données. Voilà. Dans ma banque de données, je l'avais déjà en italien parce qu'on l'avait trouvé sur une vidéo. Mais non, c'était pas de l'italien, c'était de l'espagnol. C'était de l'espagnol. On checkera après. On checkera après. Donc là, par exemple, on l'a aussi en italien, mais en reverse. Voilà. Donc là, pareil, on peut rajouter, enregistrer l'image. Hop, on rajoute. Donc on en a trouvé une autre. Et donc grâce à eBay. Ça va nous permettre aussi de trouver des images qu'on n'aurait pas trouvées sur Google Images. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tous les outils. Donc utiliser YouTube, utiliser eBay, utiliser Google Images, utiliser Card Market. C'est vraiment les outils les plus importants pour chercher et trouver les cartes, identifier, créer notre liste de recherche et ensuite pouvoir acheter intelligemment. Grâce à Card Market, on va pouvoir acheter intelligemment grâce à ce site-là. À savoir qu'on peut aussi le faire autrement. C'est savoir que si on ne trouve pas la carte en vente, on peut aussi chercher par exemple en checkant les boosters. Donc là, grâce à Card Market, on peut aussi chercher les produits, chercher les boosters. Et on va regarder donc, on va mettre. Si j'écris juste Earth, voilà, on trouve. Donc on va noter le nom de la série. Et le nom de la série, là, on va voir que ça va nous aussi nous pour permettre d'identifier et savoir que ça existe. Bah, le savoir que ça existe en allemand, on est sûr, parce que là, du coup, il y a des boosters, on a les prix aussi. Si on veut ouvrir et chercher notre Growlithe directement en booster, on peut voir que ça existe en anglais, italien, en français, voilà, 15 euros le booster en français. Il y a des boosters plus chers, voilà. Donc là, il n'y a pas énormément de langues, il n'y a pas de japonais, il n'y a pas de coréen. Mon coréen, je crois que ça n'existe pas. Il n'y a pas de japonais. Bon, des fois, il y a, des fois, il n'y a pas. Des fois, il y a de l'espagnol, du portugais, ça existe, ça arrive, c'est rare. Ça arrive. Le portugais, à savoir que le portugais, c'est le plus rare et le plus dur à trouver au niveau des images. À part avec les noms des séries en allant sur YouTube, franchement pour trouver du portugais, pour trouver des images des cartes en portugais, le mieux c'est d'aller sur YouTube parce que vous n'allez rien trouver sur Google Images. Pareil pour des langues genre polonais ou russe. Bah russe encore ça se trouve parce qu'on peut écrire directement en russe donc on va trouver. Mais en polonais c'est plus difficile par exemple. Et ce qui aide c'est d'aller sur YouTube. YouTube, ça aide beaucoup pour des langues compliquées. Bon, là, pour Hercule Sulcifer, c'était un mauvais exemple pour ça, mais comme je vous ai montré avec du diamant et perle, ça, ou du XY, ou du soleil et lune, et ben, les noms sont vraiment traduits, et là, ça va vraiment aider grandement à trouver. À savoir que, je sais pas si j'avais encore gardé, non, j'étais plus. On est retourné. Savoir que là pour le Ergot de base, le nom est vraiment de base, mais si on descend un peu, on va voir les autres. Et les autres, elles ont traduites. Donc Revelado. Donc là, on va pouvoir chercher Revelado. Et là, on va trouver tout de suite. Par contre, là, il n'y a pas de problème, on va trouver tout de suite des images, des cartes. Et on voit donc, on voit donc en checkant un peu plus que en portugais, ça existe que pour la série 1.
et la série 2. Ça n'a pas l'air d'exister pour la série 3. En tout cas, il n'y a pas. Si c'est pas à jour, c'est compliqué. Donc voilà. Normalement, c'est pas mal à jour hein, pour trouver. Donc, pareil pour Black et White, Noir et Blanc. On check et on a les noms. Donc Black, Noir et Blanc, ça va pas être traduit parce que c'est la série de base. Donc ça va être plus difficile à trouver. Mais pour les séries d'après, voilà, c'est traduit. Donc là, on a le nom en portugais de la série. On va pouvoir trouver beaucoup plus facilement sur YouTube pour trouver des images, des cartes grâce à YouTube. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que j'ai bien expliqué comment chercher, comment identifier, comment créer ces listes, comment vraiment permettre de trouver, d'acheter toutes nos cartes. Pour les sites japonais, voilà, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez aussi aller checker si vous connaissez des sites de revente, d'autres sites de revente que Car Market, ça marche tout à fait aussi. Donc en fait, même vous pouvez chercher autre que sur YouTube, autre que sur eBay, vous pouvez aussi chercher sur d'autres sites de revente comme Cdiscount ou comment ça s'appelle? J'ai pas l'habitude. Enfin, d'autres sites de revente dans le genre, ça arrive qu'il y a des cartes. Vous pouvez aussi chercher grâce à Troll and Toad ou comment ça s'appelle? Enfin, voilà, il y a plein plein de sites. Si vous connaissez, si vous apprenez à chercher, vous allez trouver vos sites. Vous allez trouver des sites qui va vous pouvez aussi chercher sur des sites portugais. Ça permet aussi de trouver. Donc, il y a des sites de revente portugais. Même si vous n'allez pas pouvoir acheter, vous allez pouvoir au moins avoir des images, des cartes. C'est important aussi de chercher sur des sites japonais. Donc de revente japonais, ça existe, ça se trouve. Si vous ne pouvez pas acheter dessus et que vous avez l'occasion d'avoir un intermédiaire qui vit sur place, qui peut acheter pour vous et qui vous permet de ramener en France, ben foncez parce que ça vous permet aussi d'avoir des cartes en japonais, de trouver des lots, voilà, pas trop cher. Ou si vous connaissez des gens qui vendent grâce à groupe Facebook aussi, les groupes Facebook, il y a énormément de collectionneurs et les collectionneurs vont vous aider à apprendre. Comme moi, je vous aide à apprendre, je suis un collectionneur, je fais partie des groupes et je fais partie des gens qui aident et qui aiment donner des conseils pour apprendre. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura bien servi. Donc je vais vous laisser pour cette fois. Donc c'était une vidéo très 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 à l'encontre de ce qu'on trouve sur la chaîne d'habitude. Mais ça fait partie aussi de mon quotidien. Voilà, c'est mon quotidien en tant que collectionneur. Voilà des fois ce que je passe mon temps à faire ce genre de choses pour chercher et trouver des cartes que je n'ai pas, pour être sûr qu'elles existent, avoir une image de la carte. Vraiment, ça permet de savoir que ça existe. Alors attention, il existe aussi des images de cartes qui sont fausses, qui ne sont pas des réalités. Donc vraiment, pour être sûr, si vous le voyez, si vous avez une image de la carte et qu'en plus vous arrivez à la trouver en vente, ben en général, ça permet de vraiment vraiment être sûr à 100% qu'elle existe. Et vous pouvez aussi demander à des collectionneurs, donc toujours grâce à Facebook, voilà, vous pouvez demander est-ce que ces cartes-là existent? J'ai un doute. Et ben, ils vont vous dire non, cette carte, elle n'existe pas dans telle langue. Voilà, ils vont vous aider parce que ben, comme moi, je suis pas le seul à faire ce genre de choses. On apprend toujours, on apprend énormément en faisant. Et grâce aux gens. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Je serai un plaisir de vous répondre, même si vous avez des questions par rapport à vos recherches. Ben je serai très très content et enfin ça me ça, voilà, je serai très, très content de vous aider à vous aiguiller, à faire des recherches de mon côté et vous répondre dans les commentaires. Pour vous aider dans vos recherches, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pourrais pas forcément aider tout le monde, mais quand j'ai du temps, je pourrais essayer de vous aider. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve à la prochaine. Des ciao ciao les carpinous. Des bisous.